Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Richissime Archéologue. Je vous reprends sur cette aventure. J'avais une de mes aventures, j'avais enregistré les épisodes et puis j'ai perdu le fichier et impossible de le retrouver, donc vous n'aviez pas eu d'épisode la semaine dernière. Au final, j'ai repris la save d'avant, donc c'est comme si il y avait juste pas eu un épisode, une journée, mais c'est pas grave puisqu'on reprend directement à la suite. Et Iowa est encore chez lui pour l'instant à dormir et dès qu'il sera prêt, on partira de nouveau donc à Salvatorada pour la suite des aventures dans la jungle. Et voilà un petit réveil qui fait du bien. Il va aller se doucher pour se mettre en forme. Ouais, il va devoir aussi s'occuper un peu des plantes. Tu vas tout arroser, tu vas tout vendre. Et ouais, tu vas tout désherber aussi pendant qu'on y est. Et puis, je pense que ce sera presque bon. Ouais, et puis tu parleras avec les plantes. Parce que je vois que son petit social n'est pas au beau fixe. Donc, on va parler aux plantes tout net, histoire de partir de bon pied. Alors, comment vont les fraisiers, mon petit? Bon, je lui fais aussi creuser ce qu'il peut creuser avant de partir, comme ça au moins ce sera fait. Voilà, on aura quand même récolté des petites choses aux alentours, un peu comme d'habitude. Voilà, on va aller jusqu'ici sur la plage. Ah, bon, bah, voilà, on va attendre un petit peu, mais il va faire ses petites emplettes de calcaire et tout le bordel, et ça devrait aller quoi. Ah, et les factures sont arrivées, moins 460. Ah ouais, on consomme pas mal d'électricité quand même, hein, je savais pas. On va évidemment prendre ça parce que c'est utile sur place. Et il va emmener aussi son petit ordinateur au cas où, voilà, il y aurait un petit peu de temps mort qu'il faut lui remonter son divertissement, j'en sais rien moi. Et puis bah, après, tu vas pouvoir partir en vacances, hein, petit chanceux que tu es. On prend la même location que d'habitude 7 jours et c'est parti. Ah, nous voilà chez nous. Quoi, t'as déjà envie d'aller aux toilettes? Tu te fous de moi. Allez. Ah, tiens, on avait oublié de d'éteindre la musique. Ça, c'est dommage. Alors, on a reçu encore une fois des petits trucs. C'est très utile. Et il a faim. Qu'est-ce que... Ouais, c'est ça. Il reste encore des spaghettis de la dernière fois. Ça fait plus de 2 semaines que c'est dans le frigal, mais c'est magique, donc tout passe. Alors, Ayoa, pour ton aspiration, tu dois chercher un tas de terre. Voilà, l'interaction est faite. Ah bah voilà, il est arrivé ici. Tu dois créer 3 sites de fouilles. Bah tu vas en créer un tout de suite. Pourquoi tu... Ah, tu l'as trouvé, d'accord, il est content. Tu vas créer un site de fouilles ici. Il faudra qu'on en crée 2 autres ailleurs. Trouver et authentifier 5 objets anciens de qualité excellente. Mais ça, forcément, on le fera entre-temps. Donc, il va faire ça. Et on va aller bah, tout de suite dans la jungle, puisque, eh bien, on est venu pour ça. Donc, tu vas pouvoir te frayer un chemin à la machette. Il est là, il est beau, il est fort. Iowa Jones, on vous montrera. Tout ce que vous voulez. C'est nul! Oh yebs, c'est parti mon zizi. Campement abandonné. Iowa se fraye un chemin dans l'épaisse végétation de la jungle lorsqu'il tombe sur un campement. C'est un endroit assez isolé, et il semble n'y avoir personne à proximité, mais il ne sait pas si c'est réellement abandonné. Bah dans ce cas-là, tu appelles. Youhou, y a quelqu'un! Et voilà. Éviter le campement, observer silencieusement les alentours, une compétence fitness élevée ou utiliser la poudre isolante. On va observer silencieusement les alentours, puisqu'au niveau fitness, on est au niveau 8, je crois, maintenant. Poursuite dans la jungle. Ouh, mince. Iowa tente d'observer furtivement le campement, mais trébuche sur un rondin et tombe en faisant beaucoup de bruit. Un Sims a l'air dément, apparaît et tout à coup, et court après Iowa dans les profondeurs de la jungle. Iowa finit par semer son poursuivant dans la végétation épaisse, mais cette rencontre l'a vraiment secoué. Mais... T'es un peu bête, hein? Je veux pas dire, mais t'es un peu bébé quand même... Bah oui, qu'est-ce qui t'arrive alors? Poursuivi dans la jungle, se fait pourchasser, une rencontre étrange avec un Sim sauvage dans la jungle a laissé Iowa à bout de souffle. Bichette! Alors, on va un peu... Je vais pas m'occuper tout de suite des portes là. On va tout de suite aller ici pour avancer et attaquer directement le premier temple que l'on peut faire. On verra bien combien de temples on pourra faire en tout. Allez, c'est parti! On attaque encore les lianes. Et c'est parti! Le sac abandonné, tiens, c'est la même illustration. Iowa tombe sur qui sont un campement abandonné. Bah oui, d'accord, c'est exactement la même chose en fait. Alors, chercher du matériel utile et utiliser la machette.
Allez, on a beaucoup de logique. Qu'y a-t-il dans le sac? Examine soigneusement le sac, suspecte une présence d'une créature à l'intérieur. Il prend un bâton à proximité et touche doucement l'endroit du sac. Un scorpion venimeux s'en sort et s'enfuit dans la jungle. Allez, ouais, fouille le sac et trouve du matériel utile. Ça, c'est good. Oh, regarde-moi toutes les bestioles là qui s'envolent. Bon, alors, on va encore une fois pas perdre de temps. La porte du temple, c'est celle-ci. Est-ce que c'est ouvert là? Oh, c'est jamais ouvert, c'est incroyable. Tu vas donc, ben, on y go, hein, tout de suite, tout de suite, tout maintenant. Le temple. Voilà. Comme ça, en gros, pendant que le temple se régénère, eh ben nous, on fera les autres portes. Parce que sinon. Bon, c'est dommage, quoi. Hein, avant, je faisais dans l'ordre. Maintenant, je sais que cette porte-là, c'est le temple. Et eh ben, on va faire que les temples. Et puis voilà. Youpi! C'est parti! Eh bien, ici, nous avons un SOS d'un archéologue en détresse. Ayawa se ferait un chemin dans la végétation épaisse et tout un archéologue dans tous ses états qui semble avoir fait tomber son sac dans les sables mouvants. Eh bien, nous n'avons pas une compétence élevée de pêche. Et on n'a pas de fleurs de Guzmania. On va pas continuer à marcher, on va essayer de l'aider quand même. Donc, on va utiliser... Bon, bah, ça s'est mal barré. Alors, Ayawa dit à l'archéologue qu'il va régler le problème et sort une canne à pêche. Voulant frimer, il tente des mouvements sophistiqués pour attraper le sac. Malheureusement, il finit par faire tomber le sac qui disparaît dans le sable mouvant. L'archéologue est très en colère et Ayawa est très embarrassé. Ouais, on va au temple. Mais Ayawa, franchement, tu pues du cul! Pêche infructueuse. Cela semblait être une bonne idée de repêcher le sac dans les sables. Quoi? Non, viens là. Mouvement, si seulement Ayawa avait les compétences nécessaires. Non, mais. Mec, tu vas y faire quoi? Pourquoi il n'y a pas de... D'accord. Contempler. Ah oui, toi tu rentres déjà dans le temple. Bah pourquoi pas, hein. De toute façon on est là pour. Donc tu vas venir là. Ah bah on l'a déjà eu celui-ci. Donc tu vas pas contempler, tu vas directement examiner. Tu vas créer un site de fouille pour l'aspiration, évidemment. Puis re-examiner, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, il y a peut-être de la bouffe sympathique à prendre. Non, il n'y a rien qui a poussé. Zut. Alors pour celui-là, il n'y en a que un non et deux peut-être. On a créé un site de fouille, il nous en reste un à faire. Et il va aller voir le dernier truc, sachant qu'il n'y a que cela. Ouais, il n'y a que ces deux fois les squelettes. Donc voilà. Alors, et celui-là? Bah écoute, il y a un peut-être et deux non. Oups! Non, c'est pas bon. Aïe aïe aïe! Un petit ouragan là qui se sous ses pieds. Qu'est-ce qui t'arrive, mon coco? Mauvaise activation en activant les défenses du temple. Ayowa s'est retrouvé couvert de poussière d'os. Mais au fait, d'où vient cette poussière et à quoi sert-elle? Non, mon chou, c'est pas grave. On a de quoi faire, nous. On va te laver. Vas-y, utilise la chute d'eau en bouteille. Tu vas te sentir mieux. Et donc, ça veut dire que c'est un des deux autres là. Bah, tu vas faire milieu aussi, tiens. Parce que peut-être qu'ils nous prennent pour des jambons. Donc, et que le milieu d'à côté. Oui! Ah! Ça, c'est bon, ça! Voilà, on a réussi! Donc, tu vas pouvoir venir descendre. Hop! Tu vas examiner ça. Oh, il y a un site de fouille, super, tu pourras le faire. Ah, il y a que ça! Oh! Merde! Il y a que ce truc-là à examiner? Ah ouais, c'est un peu chaud, quoi. Oh, mais regardez, il a un petit soleil! Bénédiction du soleil personnel, esquive les défenses du temple. Bah bichon, t'as eu de la poussière, pourquoi ils nous disent que tu les as esquivés? Bon, c'est pas grave. Alors, tu as découvert effectivement que assembler les glyphes soleil allait nous aider. Donc il fait son petit site de fouille pour son aspiration. Il suffira de trouver et authentifier 5 objets anciens. Donc ça, de toute façon, on en a encore quelques-uns dans notre besace, donc ce sera facile. Et on fera ça après avoir fait le temple, évidemment. Yes! Ne fais pas cette tête d'ahuri, tu vois bien que... C'est bon, c'est gagné! C'est gagné! Hop! Les défenses s'ouvrent. Mais on a vraiment eu le même la dernière fois, quoi. C'est un peu chelou. Et puis tu vas réexaminer. J'adore cette végétation, hein, ça, je ne m'en lasse pas. Alors, pour ces squelettes, il y a deux noms et un peut-être. On va voir avec les glyphes maintenant, là. Alors, c'est bon. Il a trouvé. Mettre la main dans le trou du glyphe soleil. Yes! Oh, ça, c'est bon, ça, mon coco. Ben, tu vas examiner ça tout de suite pour savoir si on doit mettre la poudre là-dedans. Ah, et nous avons déjà un petit trésor. Bah, tu iras l'ouvrir et puis on verra si hein, il a trouvé là pour voir si on examine celui-là, évidemment. Ah, oh, et puis t'as une tête de nom-nom d'ailleurs. Oh,
nous avons un petit squelette. Oh, où est-il? En plus, oh, il a la classe. Oh, c'est une femme, c'est une madame avec un chapeau et un magnifique collier. C'est Lucie Squelette d'or. Mais oui, bien sûr. Alors, ok, il y a trois noms et un peut-être avec le glyphe arbre. Le petit trésor qui va bien. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Une assiette calendrier ornée de pierres précieuses. Oh, ça c'est cool, mon chou. Bah écoute, tu vas pouvoir examiner ce truc-là, alors. Et au dernier recours, le nom-nom. Alors, ça. Nous avons trois noms et un peut-être. Ok. Bon, on espère qu'on va trouver avec le nom-nom. Raconter une blague sur les squelettes, par exemple. Alors, et pour celui-là... Ah bah tiens, on va tenter la blague sur les squelettes parce que c'est vachement drôle. Bon, il commence à fatiguer, le petit, là. Ah oui, ça fonctionne! Ah, ça, c'est trop cool! Écoute, tu veux manger un sandwich? Et puis, prendre de l'énergie liquide, comme ça, ça va te remonter un peu les besoins pour manger. Et voilà, après, je suis désolée pour pisser, j'ai pas de quoi faire. Oh, mais c'est la fin du temple! Eh bien, tu vas ouvrir le trésor ici et ouvrir celui-là. Et il est 1h30 du matin, on aura fini à cette heure-là, donc je pense qu'on va si c'est 24h, eh bien, il faudra revenir en pleine nuit pour le prochain. Oh yes, une base de reliques de la mort, et ok, très bien, des autres trucs, et celui-là, évidemment, le meilleur trésor. Ah, il a l'air content. Exploration du temple est terminée. Une relique de Palampalso. Yes! Yes, c'était les reliques que j'avais pas encore. Donc on a carrément une assiette calendrier omnisken en or et en turquoise et une paix Réréka, rayon de soleil en jonquilliste et en or. Oh, ça c'est bon ça. Ça c'est bon ça parce que voilà, une nouvelle grenouille que nous avons là à 10 015. Est-ce qu'on a... Oh, on en a une qu'on avait déjà en double à 8058. Bon, c'est toujours ça. Et l'assiette... Ah bah, on l'avait déjà. Ça veut dire qu'on l'a eu 4 fois. C'est pas grave. Ça veut dire qu'on a à peu près 40 000 simflous qui dorment dans notre inventaire grâce aux assiettes. Et on a reçu d'autres petites choses. Un soda de Faraday. Un crâne. Une base de l'urique de la mort. Une relique de Tote Kayama et Palampalso. Donc j'aurai une Palampalso de la mort. Et ça c'est super cool. Ah, je suis très contente. Bravo Iowa. Maintenant tu vas pouvoir... Ah, je crois qu'il lui aussi il pouvait parler. Tu vas discuter un petit peu avec je sais plus comment elle s'appelle là, Lucie Squelette. Et puis ça va te remonter ton moral. Et après on va rentrer à la location. Allez le petit pissou là parce que... Parce que c'est difficile quand même. Ah, ça doit faire du bien. Bon, après tu rentres. Oh bah tiens, tu vas me creuser ça tout de suite en rentrant. Tu vas manger un truc parce que tu as faim. Oh, il en reste encore des spags, mais non. Et puis après tu iras dormir, bien sûr, parce que tu l'as bien mérité, Iowa. Et bah c'est fait une bonne nuit, une bonne grasse mat. Bah écoute, tu peux aller faire tes petites ablutions. Ensuite, je sais pas, tu n'as pas l'air de vouloir manger les spaghettis qu'il y a dans le frigo. Ils ont peut-être moisi en même temps, ça fait plus de 2 semaines, donc je comprendrais. Mais bon, allez, go! Voilà, parce que je vous dois bien ça quand même. Hein? La petite Simrumba Bayayoa. Oupopopopo! Ah yeah! Oh, ce boule! Pouah, qu'est-ce qu'on aime ça, hein? Oh, qu'il est beau. Oh, qu'il est sexy! Oh my god! Quelle beauté fatale. Sublime. Mais pourquoi il a bu un truc là? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais qu'est-ce qu'il m'a bu cet idiot? Mais je vais pas demander de boire, je vais demander d'authentifier. Boisson bon goût. Non mais mec, arrête de faire n'importe quoi. Comme ça il authentifie déjà une truc. Bon c'est pas urgent mais c'est juste pour son aspiration quoi, pour avancer un petit peu. Sous la pluie pour l'instant la porte du temple n'est pas encore régénérée, hein, donc on va attendre un petit peu. De toute façon, c'est pour ça que moi, je lui ai demandé de faire ça. Donc on va prendre le temps tranquille, et s'il faut, après, il ira chercher les trucs là. Hein. Sous la flotte ou pas, on s'en fiche. Hein. Ça nous rapportera 2 pognons. Allez, mon chou, c'est pas grave, les moustiques, c'est normal, t'es dans la jungle. Pourquoi tu penses à un crâne? Non, 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 mais t'inquiète, tu vas trouver... Oh, même si on a toute la collecte, c'est pas grave. Et voilà encore un nouvel objet, tu peux le mettre dans l'inventaire. Et ça nous en fait 3 sur 5.
Voilà, top. Tu vas encore en faire un petit crâne, vas-y. Oui, Après, tu pourras retourner faire tes ablutions. Parce qu'à mon avis, ça va pas tarder au niveau du temple. Hein. Je ne croyais pas si bien dire, hein? Parce que ça y est, c'est prêt. Il met quand même du temps à marcher, à courir jusque-là. Donc je pense lui acheter un petit vélo. Parce que je pense que dans la jungle, il pourra quand même rouler et ce sera beaucoup plus rapide. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cet épisode. Et oui, c'est frustrant. Oui, je suis d'accord parce qu'on est à l'entrée d'un nouveau temple. Mais c'est pour garder la surprise pour la semaine prochaine. Regardez ces magnifiques moustiques. Ah là là, ils ont mis du cœur à les créer, ces saloperies là. Regardez-moi ces horreurs là. Qu'est-ce que c'est que c'est dégueulasse. On va plutôt regarder Iowa qui est très très beau, même si il est en duel de regard avec un moustique. Mais bon. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures d'Iowa et dans le richissime archéologue avec déjà un deuxième temple pour cette nouvelle semaine à Salvadorada. Je vous fais des très gros bisous et donc à la semaine prochaine. Ciao!